Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre salle de consultation collective. Partagez cette vidéo avec une de vos soeurs. Je suis en train de parler avec une de nos soeurs ici, là. Et ce qu'elle dit est très pertinent. Très, très pertinent. Parce que... J'ai une femme là-bas dehors. J'ai une femme qui est dans une région de l'Ouest. Elle m'a appelé ce matin. 4 enfants. Mariée. L'homme a tout fait pour la bloquer. Elle a essayé de mettre de l'argent de côté. Elle voulait mettre de l'argent de côté pour s'enfuir. Il a découvert. Parce qu'elle avait acheté un terrain. Elle devait construire ça pour faire son magasin. Il a découvert. Il a bloqué. Donc elle me recontacte, ça c'est peut-être 6 mois après qu'elle ait découvert. Elle essayait de faire maintenant semblant à la maison pour tout cacher, pour calmer les choses. Elle tombe sur mes vidéos, elle vient me voir, elle prend le kit de déblocage, elle fait ce qu'il y a à faire. Elle prend les deuxièmes produits, il découvre les produits, il appelle toute la famille, il dit qu'elle fait la sorcellerie. Et je disais à la dame qui s'est enfermée avec moi que quand il voit vos trucs comme ça, là, il parle que wow, tu fais la sorcellerie, c'est parce que lui-même, il part déjà faire les pratiques, mais il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Ce n'est pas tout ce qu'ils font qu'ils vont vous dire. Donc, il a dit qu'ils vont, on va aller chez le prêtre exorciste, on va aller à tel endroit. Il fait même le magasin là où il avait ouvert, il avait mis qu'elle vende. Tout ça pour qu'elle n'ait plus l'argent qui passe dans sa main. Parce que si elle n'est pas au marché, elle va rentrer avec 5 000, 10 000. Il veut tout fermer. Ce matin, elle m'appelle, elle me dit que je suis à bout, je dois partir. Donc, l'homme, il m'asphyxie. J'ai une autre ici, là, maintenant. Quand on est venu l'épouser, on a dit qu'on devait, te trouver le boulot, c'est ça. On devait trouver le boulot, on devait... parfois, on dit même qu'on va t'amener encore à l'école. On dit qu'on va te... On donne les projets. Tu arrives, tu pars en mariage. Tu arrives dans le mariage... En fait, quand tu regardes la femme qui est devant moi, elle a une notion de consul ou bien elle a une notion diplomatique. Vous voyez le genre de femme qui peut être ministre ou bien encore, vous voyez un peu, non, chargée des relations extérieures. Le genre de personne qui est censée toujours se déplacer. Et je ne savais même pas que dans ses rêves, elle se voit toujours en train de voyager. Donc, ça n'a pas de vision. Ses rêves, c'est de voyager. Elle dit, voilà, il me laisse à la maison, que je lave les habits, que je fasse quoi là, tu t'occupes des enfants, tu fais tout. Maintenant, quand tu es dans cette situation, et c'est que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, parfois c'est vos copains, parfois c'est vraiment vos maris, beaucoup de personnes qui vous épousent, c'est parce qu'ils ont besoin d'une ménagère. Écoutez, c'est parce qu'ils ont besoin d'une ménagère. Ils veulent que quand ils rentrent, on s'en tue sur la table. Quand ils sortent le matin, son habit est repassé. J'ai sorti avec une fois là, c'est moi qui paye la ménagère. J'ai dit que je ne peux pas. Écoute, je peux laver, je peux préparer, je peux faire. Mais j'ai mes ambitions. J'ai mes projets. Et quand il a même les projets, même s'il vient dire les projets à ta famille pour te prendre. Quand vous entrez à la maison, observez-les dans les 24 prochains mois là. Dès que vous entrez à la maison, on fait l'enfant quand? Premier enfant. On fait l'enfant quand? Deuxième enfant. On te bombarde les enfants. Ouais, tu sais, bon, comme tu as déjà fait les enfants là, tu vois, non. Laisse même une fois, non. Tu fais une petite formation d'un an ici là, non. Tu pars là-bas, au coin là-bas, on ouvre un petit truc, tu gères. J'étais dans une relation, moi je payais ma ménagère. Donc on a ensemble la coupe à la maison. Hein. Oh, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas moi manger la nourriture que la ménagère a fait. Il dit, papa, je travaille de 6h ou 6h30 jusqu'à 21h. J'arrive ici à la maison à 22h. Tu veux qu'il prépare à quelle heure? Parce que bien sûr, toi, et la personne, le petit agent qui va te donner, le petit agent qui va te donner, tu vas lire l'heure pour qu'il te donne ça. Donc la dame elle me disait ici là que tous les projets, les promesses qu'on avait fait, rien.
Maintenant, elle s'assoit, elle me dit que, ok, je rêve de faire ça. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont bloquer de telle façon que tu ne peux pas parler à quelqu'un. Voilà, Facebook vous a sauvé, vous êtes resté dans la maison. Quand les enfants sont partis à l'école, pendant que tu mets le coquille au feu, tu tombes sur mon direct. Voilà comment Dieu te sauve. Vous avez demandé à Nathan, non, le voilà, il est en train de crier. Donc pendant que tu mets les plantains en train de frire, tu tombes sur mon direct. Parce qu'on a même sorti pour avoir les amis, tu ne peux pas avoir. Dès que tu as une amie qui est dans la voiture, ouais, qui travaille, qui fait... Oh non, 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 non. La fille, elle va te détourner. On va refuser. Et je lui disais que c'est comme si les femmes... C'est comme s'il y a un éveil de conscience féminin. Donc les femmes... Viens mettre sur la chaise ici. Dans le monde entier, les femmes sont en train de se réveiller. Merci Honorine. Les femmes sont en train de se réveiller. On a les gigolos là, on a les mettre dehors. Que sort de ma maison. Maintenant, oui, et justement, on va jouer sur ton moral. J'allais parler de ça, du mental. Le truc, c'est que la femme est... La femme, c'est une personne qui... Je vais organiser des ateliers comme ça. Vous allez peut-être donner même 5 000 par semaine. Je veux faire des réunions, on va s'asseoir. Imaginez une femme qu'on est, que j'ai un endroit où je peux partir. Je m'assois, je vois comment elle peut mettre, je peux voir plus loin. Je viens et mets mon argent de côté. Vous devez me épargner l'argent en secret. La femme, c'est un être faible dans le sens où tu restes, tu fais un projet. Tu as la tentation d'aller parler à ton mari, alors que ton mari peut te tromper, donc il ne te dit pas. Quand toi, tu commences à tromper ton mari, là, tu ne veux même plus qu'il te touche. Lui, il va aller faire la femme dehors, il va revenir, il va te toucher sans souci. Il va vous gérer sans souci. Donc la femme ne connaît pas, c'est très dur pour la femme de faire double face. Tu veux payer ta dîme, contacte, voilà le tout là-bas, écrit. Le numéro, c'est le 680-711-0701. Tu écris, tu envoies, tu as compris. Donc, la femme ne connaît pas. Et la femme, tu as besoin. Tu dois avoir ton backup. Tes femmes de backup plan. Si bien que tu... Quand tu dis, ok, je veux quitter l'homme-ci. Et l'homme connaît que s'il rentre, il va t'adresser 2-3 mots violents. Ou il te tape dessus. Ça va casser ton moral pour la journée-là. Donc, ça va te casser. Même si j'avais prévu que non, je vais aller prendre ma chambre. Je vais aller avec les enfants. Il va rentrer là. Il va te toucher un peu comme ça là. Ça va te mettre à terre. Maintenant, vous devez devenir malin et demi. Il est malin, non? Devenez malin et demi. Ça veut dire que vous avez une longueur d'avance sur lui. Vous devez devenir actrice. L'Angel Stanley, la femme trompe, non? Est-ce que j'ai un problème? Il y en a qui ont déjà compris ce que je vais expliquer là. Elles sont devenues les actrices, les vraies actrices. Oui. Tes projets, mamie, si tu as 15 projets, parle-lui de deux. Tu as 5 réunions, parle-lui d'une réunion. C'est ce qu'il fait de toutes les façons. C'est con, il a les agents dehors, il a les femmes qui financent dehors, il ne te dit pas. C'est pour ça que tu dois jouer avec un petit truc. Il y a une femme qui m'appelait un jour. Elle me dit que son mari au Cameroun refusait tellement. Elle appelait des États-Unis, qu'il refusait tellement qu'elle fasse autre chose. Elle faisait les croquettes et gardait en bas du lit. Quand il sort, il part travailler, elle sort les croquettes. Elle part vendre. Parce qu'elle disait que non. Parce qu'il sait que j'étais donné 1000 francs pour la journée. J'étais bloquée. C'est ça, non? Que je sais que tu as 150 000 au mois. Tes charges à la maison, c'est 120 000. Ta famille encore te prend 30 000. Donc, tu es à terre. Mesdames, je parle aux femmes parce que c'est que les hommes n'ont pas les émotions comme ça là. Tu as 5 réunions. Parle-lui d'une réunion. De la même façon qu'il peut attirer les business, toi-même, la femme, tu peux attirer les business. Ce n'est pas tout ce que tu vois, que même plus que lui. Il y a les idées de business que tu restes, tu dis que tu fais la stratégie, va en Chine, tu achètes ça, tu fais ça. Il dit que B, reste avec les enfants, je pars. Yeah. Il fait son passeport, visa, il part, il te laisse. L'idée là vient de toi, non? N'est-ce pas? Quand il rentre, même te donner 500 000 de bénéfices sur ça,
sur ces 5 millions qu'il a fait sur le... Il ne donne pas. Il dit, on va construire la maison. Vous construisez la maison. Le jour où il veut te chasser de la maison, la mamie, tu n'as rien fait pour lui. Hein? Tu n'as rien fait pour lui. Hein? Il y a un éveil de conscience qui se passe chez les femmes. En 2 jours, je ne vais pas vous dire le nombre de femmes qui... 2 jours, donc hier il n'a pas fait le direct avec la consultation. Donc, je ne vais pas vous dire le nombre de femmes. Il y a même d'autres que quand on part vous épouser comme ça là. On calcule ton étoile. Ce matin, j'ai une femme que j'ai fait la vidéoconférence avec elle pour la consulter à distance. Elle commence à manifester. L'esprit qui est en elle commence à parler quand je suis en vidéo avec elle. Que c'est ta belle-mère. Elle s'est mariée. Sa belle-mère et son ex-mari qui est décédé sont partis. Ils travaillaient ensemble. Il y a les mères et les enfants qui sont associés ensemble. Donc ils étaient associés. Ils ont cherché. Oui, le père des enfants refusait que tu fasses quoi que ce soit. Oui. Quand tu t'entêtais, ses yeux étaient sur ça. Oui, oui, il était en haut. Ouais. Tu ne lui disais plus rien. Voilà, heureusement pour toi, tu as quitté la maison. Tu as quitté sa maison. Tu te bats avec tes enfants. Donc, la femme là s'est entendue avec son fils. Ils sont partis épouser la fille. Et ils l'ont épousée parce qu'ils ont vu son étoile. Et l'esprit qui... Ce sont les esprits qui dérangent les gens là pour qu'ils viennent vous déranger. L'esprit qui était dans cet homme. L'homme l'a fait ça, il a transféré à la femme. Elle a commencé à tomber malade. Problème. À un moment maintenant, ils ont voulu tuer la femme. Mais la famille de la fille priait. Dès que la première maladie a commencé. Balotelli, pardon, écrivez. On est saturé avec les commandes. On est saturé. Écrivez encore, si on vous avait commandé quelque chose, écrivez chaque jour jusqu'à ce que vous voyez votre paquet dans votre main. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Même les consultations, écrivez chaque jour jusqu'à ce que un jour je vais me lever, on sait vous parler. Lavez-vous avec le sel aussi. Elle est tombée malade. Sa famille lui a dit en cachette que quitte le pays là, tu viens, rentre au Cameroun. Ils ont travaillé sur elle, fait son billet d'avion, elle est partie dans un autre pays. Le monsieur est resté comme ça, il a raté, ça n'a pas pris la femme. Ça a parfait à ses parties. On voulait lancer le cancer sur elle. Ça a parfait à ses parties sur lui, il est mort. La mère maintenant reste, elle dit qu'elle va se venger. Elle est partie attacher la fille. Attacher les enfants de la fille. La fille là où elle est. Ses enfants sont dans un autre pays, elle est toujours dans le pays là. Depuis 5 ans qu'elle est arrivée là-bas, rien n'avance dans sa vie. J'ai un démon que j'ai enregistré hier quand il parlait. Je vais vous faire écouter l'audio là. J'ai vu que j'ai un démon quand je faisais le démon là. Et il a commencé à parler. Ce matin, le démon de ce matin a parlé, mais je n'ai pas pu enregistrer. C'était en vidéo call, je ne pouvais pas enregistrer. Celle qui est ici avec moi, elle a entendu comment le démon l'a parlé. En fait, c'est sa soeur qui est venue. Sa soeur s'est assise. J'ai fait la vidéoconférence avec elle. Donc, c'est dans le téléphone que le démon parlait. Donc, quand elle parlait, je répétais ce qu'elle a dit. Je posais des questions. Je dis que elle a mis les douleurs. Les douleurs que vous avez de vos ventres, les fibromes là. Ouais, Seigneur. On a bloqué ton ventre. Attaché. Dis que les démons la parlent. Que attaché. Que même les enfants que tu conçois, tout homme qui vient dans ta vie, il va venir, il va coucher avec toi là comme ça, là, son argent va finir. Il va se décourager, il va se fatiguer. Ça vous étonne parce que tu rencontres un homme comme ça, il te promet tout. Il te promet la Prado. Et tu sais qu'il a les moyens, hein, il te promet la Prado. 3 semaines plus tard, tu appelles, il commence à te fuir. Il faut checker. Tu as dit à qui que tu sois avec un homme. Tu as dit à qui que tu as rencontré un milliardaire. Tu as dit à qui? Tu as dit à qui? Parce que même parfois, quand tu ne dis pas, les gens la checkent dans leur... Ils ont leur boule de cristal. Donc, le démon l'a parlé dans la fille aujourd'hui. Elle dit que on est là comme ça, là, on embrouille sa tête. On embrouille sa tête. Donc, elle disait, dès que j'ai prié pour elle, l'esprit m'a conduit à prier pour sa tête. Que je viens contre tout casque de spiritualité, casque de confusion. Dès que j'ai dit casque comme ça, là, elle a commencé à tout manifester. Le démon a commencé à parler.
Donc vous là, quand vous êtes en beng, je vais faire les kits pour étudier à l'école. Écoutez, je vais faire les kits pour étudier. Vous les femmes, vous êtes en beng depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à avoir votre licence de quoi là pour sortir infirmière. On dit que depuis 5 ans qu'elle est là-bas, elle commence l'école, elle paye même tout l'école, elle ne finit pas. Écoutez, je suis trop belle et trop classe pour venir raconter n'importe quoi. C'est tout qu'avant moi, j'étais trop perplexe, vous avez dit, ah, est-ce que c'est peut-être vrai? Donc je dis, ok, comme tu as traversé, tu es parti en Bengale, tu vas rester là-bas 20 ans sans papier. Tu vas rester, quand un homme va te rencontrer, tu vois l'homme te regarder comme ça, tu es belle. Et tu tombes tous sur les beaux hommes. Donc, beau, riche, élégant. Il te promet tout. Parfois, il quitte même d'un bain comme ça, il vient au pays, il dit que je vais venir te prendre. Je vais venir, chut, sortez, allez. Il dit que je vais venir te prendre. Il quitte d'un bain, il vient te faire tes papiers ici, il te prend, il part avec toi. Le démon qui a parlé dans la femme là hier, il dit que, ouais, tu crois même que quoi? N'est pas l'autre là, il est venu d'Italie, il a dit qu'il va te prendre pour t'amener là-bas. Hein? On a bloqué son argent. Ils t'ont ouvert même le compte bancaire en Europe, non? N'est plus encore fermé eux-mêmes, non? Sa tante là dit que tu veux montrer que tu es qui? Tu sors, tu as l'étoile. Tes enfants ont l'étoile. Tu es belle. J'ai un bout d'enregistrement. J'ai un bout de cet enregistrement-là. C'était mon avant-dernier lavage. Il y a une dame ici là que je vais la prendre après celle-ci. Dès que la femme a commencé à manifester comme ça, celle-là, elle a attendu dans même 45 minutes ou une heure de temps. Elle n'a plus bavardé. Elle s'est seulement tue. Et sans pas de gars qui venait. Il y a un gars qui était venu de Beng pour la voir. Donc hier soir, elle est partie rencontrer le gars. Elle a entendu comment le démon a parlé dans la bouche de celle-là. Que n'est pas l'autre est venu d'Italie où il voulait t'épouser. On a bloqué. L'enfant qui est dans ton ventre, là, les douleurs dans le dos là, on veut retirer l'enfant dans ton ventre. Que n'est-ce pas, tu étais vraiment enceinte et tu avais porté deux enfants dans ton ventre. Que si les enfants là naissaient, tes enfants allaient être beaux. Que tes enfants étaient beaux. On est venu les prendre. Écoutez, mesdames, je parle beaucoup comme ça parce que je veux que vous analysiez votre propre vie. Tu dois t'asseoir. Pour moi, la libération commence quand tu te réveilles comme ça. Je vais faire pour le mari de nuit, je me prépare. Tant que je n'ai pas. Et la femme s'est commencé à manifester hier quand je lui ai dit que. Parce que quand vous venez vous laver ici, là, j'ai une potion que je vous donne. Je dis, frotte ça sur ta partie intime et tu déclares. Tout mari de nuit, tout esprit qui m'a habité parce que j'ai couché avec un homme, je te commande maintenant de sortir. Je divorce avec toi. J'ai donné ça et j'ai dit que dès que j'ai prononcé les paroles là de ma bouche, son corps a commencé à s'agiter. Le démon a commencé à parler. Ça fait 15 ans que je suis dans le corps de cette femme. Tu es qui? Elle dit, je suis sa tante. La petite soeur, la grande soeur de sa mère. Écoutez. Écoutez, oh. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Tu as 20 ans, non? Tu m'écoutes, non? Ta mère est morte depuis, tu es orpheline, non? Tu as 45 ans, tu es orpheline, non? Ça fait 25 ans que tu n'es pas mariée. Il y a même les veuves à 25 ans. Tu te maries, on part, on fait, on dit que tu vas, l'homme là va mourir. La femme l'a dit. Et son fils est bloqué. Son fils voulait voyager. Il est bloqué en Beng. Il veut traverser. Le démon l'a dit que. Il croit même que quoi? À son âge, il dit qu'il va aider sa mère. Il va aller en Europe pour aider sa mère. On a dit qu'il va voir, on va lui montrer. Et quand elle est venue en consultation, elle se plaignait que maman, mon fils, chaque jour, il est dans les bagarres. Chaque jour, les bagarres, on le poignarde ici, là-bas. Le démon l'a dit que nous sommes en train de verser son sang. Qu'elle croit qu'elle est qui? Tu sors, tu as l'étoile, tes enfants ont l'étoile.
ton chef a commencé à manifester la sorcellerie. Elle confessait toutes les mauvaises choses qu'elle avait, waouh, qu'elle voulait me faire. Tout le bureau était dépassé. Voilà les témoignages. Vous ne venez pas dire. Je vous ai dit qu'on va faire une soirée témoignage vendredi, c'est demain. Vous comprenez? Marabou, tu viens parler dans mon direct, pourquoi? Hein? Le démon l'a dit que même son fils, elle a un petit, son deuxième enfant est intelligent. Que même le petit là, il croit qu'il parle. Un génie comme lui. Que c'est nuit. Que aujourd'hui, s'il a mal aux yeux. Demain, il a mal à la tête. Demain, c'est les nerfs. Après demain, c'est ceci. Après demain, c'est ça. Et elle a envoyé ses ans. Son premier fils, elle l'avait envoyé en vacances. Quand l'enfant avait dans les 9-10 ans. Chez la femme. Écoutez, vous allez devenir. Vous allez commencer à avoir peur de tout le monde. Parce que tu ne connais pas d'où ça sort. Tu ne connais pas. Elle dit que son fils, il croit même qu'il est qui? L'esprit était venu chez moi. Il était venu chez moi en vacances, non? Il voulait me défier. L'enfant de 10 ans, hein. Les gens connaissent l'étoile de vos enfants. Les gens connaissent l'étoile de vos enfants. Souvent, tu envoies ton enfant chez quelqu'un comme ça, là. Un jour, elle prend ses enfants, elle dit que, lavez-vous. Elle prend les trucs comme ça, là. Elle met dans l'eau. Quand c'est sur ta part d'enfant, elle met ce qui va bloquer ton enfant. Tu ne connais pas. Et le démon qui possède la femme, c'est pour ça qu'il la dérange. C'est l'esprit de la grande sœur de sa mère. Donc, comment on dit que ta mère a la sœur, même père, même mère. Écoutez-moi bien. Voici ce qu'elle fait typiquement. Premièrement, un homme vient. Donc, en un an, tu vas avoir 10 prétendants. Quand un homme te voit, il veut t'épouser une fois. Mais, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines plus tard. Il vient de baigner, tombe sur toi comme ça, la mamie. Coup de foudre, bam, une fois. Il parle à la massade avec toi, il commande, il a dit que wow, je veux faire les papiers. Là, là, là. La famille commence, la belle famille commence. La belle famille commence. Il y a les belles mères qui ont juré que leur fils ne va jamais. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes ici. Vos maris sont en France. Ce sont vos belles mères vous bloquent ici. Que mon fils, tu peux épouser la fille là, je ne viens pas en France, toi, elle vient. Je ne viens pas en France, elle vient. On va voir ça. Rosandrine Gounou, appelle aujourd'hui, tu me dis, ce n'est pas moi qui gère mes téléphones. Tu as compris, Rosandrine. Tu dis que tu es mon camarade de classe. On va me donner le téléphone directement. Je suis submergé par les messages. C'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un a pris la consultation, essayez encore. Si vous êtes à Douala, venez physiquement, j'essaye de vous consulter. Mais si c'est en ligne, rappelez seulement tous les matins, vous écrivez que voilà, vous écrivez. Je suis en train de faire les kits, je fais les produits. Si bien que quand tu prends le box comme ça là, je mets mes mains sur chaque box, chaque truc que j'ai. Donc tu reçois comme ça, tu fais ton truc toi-même à la maison. Il y a le kit fondation parce qu'il y a beaucoup de... Le démon, c'est qui était dans la fila hier. Elle disait que c'est un pacte qui a été tissé depuis, sur des générations. Donc, quand ils prennent la fille, c'est comme ça là. Ce sont les choses qu'ils ont fait déjà avec les parents et les grands-parents de la fille. Elle a lancé sa mère morte. Ils ont lancé le sida sur la mère. Et que sa mère était belle. Quand tu vas voir la femme, elle est grande de taille. Brune. Belle. Avec les grands pieds comme pour moi, si les grands yeux comme pour moi. Vous avez les belles femmes, elles n'ont pas les petits pieds ni les petits yeux. On dit que ta mère a voulu trop bavader. On a fermé sa bouche. On lui a lancé la maladie. Elle a fané, elle est morte. Elle a fané, elle est morte. Elle bavardait trop. Maintenant, toi, la jeune fille, tu es trop têtue. Tu es trop têtue. Tu aimes les grosses voitures. Tu aimes les grosses voitures. Tu dis que on va te montrer. Et après, maintenant, ils disent qu'elle est trop têtue. Que voilà, à un moment, elle a fait les parties dans les églises réveillées. La femme est venue d'abord dans la journée ici, là. Elle a d'abord dit qu'elle a racolé l'argent pour pouvoir payer sa consultation. Le démon dit que c'est nous qui avons bloqué ses poches pour qu'elle n'ait pas l'argent de la consultation.
Mais comme elle est têtue, elle est venue. Mais lundi qu'elle était à Yaoundé, elle est venue s'asseoir sur mon canapé. Ici, là, elle a dit que je dois que payer ma consultation. Que je dois payer ma consultation. Elle s'est assise sur ma chaise et celle-là, elle a prié. Écoutez, venez vous asseoir ici, là, de vous prier. Je vous dis. Elle s'est assise, elle a prié. Prié. Après, elle a dit ça, là. Telle personne lui parle, après telle personne lui parle, on lui envoie l'argent. Elle dit que là, 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 une fois payé. Je reviens mercredi. Mercredi, elle dit qu'elle a encore essayé comme ça, là. Elle a payé, elle a vu le reste de la consultation, elle est venue, elle a déposé. Elle vient le matin d'abord, 10 heures, je la consulte. Elle part, elle dit qu'elle vient faire le lavage le lendemain. L'esprit dit que comme elle est partie, là, on voulait la décourager pour qu'elle ne vienne pas faire son lavage. Elle est partie, elle a acheté sa poule. Après, elle se dit que je suis dans l'appartement, je vais mettre la poule sur la nuit. Bêta, je viens déposer ça chez eux. Il y a le que Bêta, je viens déposer ça chez eux. Quand elle arrive ici, j'étais en train de finir. Elle me dit que tu peux me laver maintenant, non? J'ai dit aussi oui, comme ça là. Une fois là, elle a décidé de se laver. Peut-être la nuit là, elle a découragé. Voilà, maintenant, dès que je pars dans la salle de lavage, c'est comme ça que ça commence. Je vous en prie, soyez sages. Il y a les gens ici dehors qui ne veulent pas que tu te maries. Si tu te maries, tu vas te marier avec quelqu'un qui va bloquer ton étoile. Ce n'est pas tous les mariages qui sont bien. Tu avais un homme, tu fans seulement. Tu as une idée. Dans ton boulot, on te donne la promotion pour que tu voyages pour partir quelque part. Tu vas partir laisser les enfants à qui? Nya, 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 nya. Hein? Mes enfants ne peuvent, ils vont recevoir leur mère. Hein? Oh. Mesdames, soyez malins et débiles. Comment on dit qu'un malin, malin et demi? Voilà l'autre qui a témoigné pour ça. Il y a vos boss. Écoutez, que même les employés travaillent sur leur patron. Les patrons travaillent sur leurs employés. Les parents travaillent sur leurs enfants. Les tantes sur leurs nièces. Même les frères, même père, même mère. Que voilà petit frère, voilà grand frère. Ils partent travailler l'un sur l'autre. Donc vous comprenez que le déo est gâté. C'est gâté. Quelqu'un m'a dit ce matin que ils prennent vos étoiles et ils oublient leurs propres étoiles. Ils oublient que eux-mêmes ils avaient. Ils oublient. Parce qu'on doit te faire du mal. Devenez sage. Tu fais ta chose, tu ne dis à personne. Tu tombes même enceinte, comme ça, là, tu voyages, tu pars loin, un endroit quelque part, tu accouches là-bas avant de rentrer. Écoutez. Et je veux que je parle comme ça parce que je veux que vous voyez les signes. Les prétendants viennent, ils partent. Les prétendants viennent, ils partent. Tu commences, tu as fait 10 business. Tu n'as même pas l'argent de demi-business aujourd'hui. Tout ce que tu touches, ça tombe. Tu as commencé l'école 3, 4, 5, 6 fois. 5 filières. Tu n'as jamais fini. Votre esprit va vous dire, je sais que je dis la vérité. Votre esprit va vous confirmer. Tu es dans un pays depuis 15 ans, tu n'as pas le papier. Chaque année, oh madame, nous sommes désolés. Gna, 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 gna. Oh madame, nous sommes désolés, il manque tel papier. Oh madame, gna, 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 gna. Quand on vous a bloqué. Ok, elle a réussi à partir en Bénin. Elle a fait la neuvaine de combien de jours là? Ça a libéré son visa, d'accord. Et quand tu as fait la veine comme ça, là, tu as une fois laissé. Ne faites pas un mois sans jeûner, mesdames. Chaque semaine, tu vas avoir au moins un jour de jeûne. Parlez avec les gens qui vont comprendre ce que vous dites. C'est pour ça que vous aimez mes directs. Tu n'es pas bête, tu n'es pas folle, ma chérie. Tu n'es pas folle. L'idée que tu as là. Elle me dit cela qu'elle voulait partir depuis à Yaoundé, elle voulait partir depuis. Finalement, elle est partie. Elle est partie faire le business. Elle a porté ses 150 000. Ça a permis qu'elle paye sa consultation. Alors que le Dieu ne voulait pas qu'elle parte depuis. Quand il va voir, elle commence à avoir les idées déjà. Elle dit qu'elle va garder l'argent. Elle dit qu'elle va ouvrir le magasin.
Elle dit qu'elle va voyager. Elle dit que... Voilà, elle dit que dès que je suis arrivée au bureau, après avoir utilisé le parfum de Blow Moi, elle me demande que qu'est-ce que j'ai mis sur moi qui l'empêche de contrôler mon esprit. Vous entendez? Oh, le témoignage de Lynn. Pardon, Lynn, il faut que tu reviennes pour faire le témoignage. Je vais faire la soirée témoignage demain. Quand elle fait mes produits, je vous donne. Il y a des gens que la personne te donne 100 000 comme ça. Sur toi, chaque mois, elle a 500 000 ou 1 million. Qu'est-ce que tu as mis sur toi qui empêche que je te contrôle? C'est ça. Ton patron. Soyez sage, je vous en prie. Moi, quand ça m'est arrivé, ce qui me tient forte, je reste avec les femmes. On parle, on partage nos histoires, on se fortifie. Parce que la femme est émotionnellement faible parfois. Mais vous n'êtes pas faible. Hein? La femme a une force, c'est-à-dire que si tu crois que tu peux. J'ai des relations que j'ai arrêtées. J'ai eu deux femmes dans ma vie, deux tatas. Que j'arrive chez une comme ça, elle me voit, je suis comme ça là. Elle dit, mon fils, qu'elle m'a rêvé, toi, c'est quoi ça? Elle m'a grondé comme ça là. J'ai dit que yay. Elle m'a parlé comme ça même trois fois la semaine là. J'ai arrêté. J'ai arrêté, fermé, scellé, arrêté. Ouais, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il te faut? L'homme là te faut. C'est quoi? Il te donnait ça que comment? Parce que tu crois. Hé, ma fille là-bas. Parfois, tu tires son sort et dis que oh, je vais faire comment les enfants. Écoutez, mesdames, vos enfants sont forts. Vos enfants sont forts. On va faire le direct à 18h demain. Je sais que 18h, ça va quand même. 18h. Vos enfants. Donc même l'enfant de 3 ans peut comprendre que maman doit aller travailler. Ma fille a 3 ans, je l'ai laissée à la maison. Il ne faut pas m'exposer. Je ne veux pas vous dire là où j'étais. J'étais en bengue. Je l'ai laissée à la maison. Je n'ai pas été bossée. On n'a jamais de problème. 3 ans. L'enfant lui-même va comprendre que maman doit aller faire ça. Et certains pour vous faire du mal, il va vouloir prendre tes enfants. Donc soyez méticuleuse. Soyez sage. Surprends-le le genre qui ne peut même pas imaginer ou penser que tu as fait ça. Voilà, que sa mère lui a dit ça. Le genre qui reste aussi, regarde, il dit que waouh, James Bond, ça c'est le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Comment ça? Je crois que je vais ouvrir une maison d'accueil, un truc comme ça là. Je vais ouvrir une maison, le genre que si tu veux quitter, tu quittes avec les enfants, tu viens, je t'emploie. Je t'emploie là, là, là. Matin, midi, soir, tu travailles. Après, quand tu travailles, ça, tu cotises de l'argent. L'argent de ça. C'est ta vision, hein, mamie. Je vais faire ça même dans 2 mois. Je vais prendre une maison, je vais faire ça. Comme tu viens, ça, je t'emploie là, là, là. Comme tu arrives, tu portes tes choses, tu viens là. Vous dormez, vous mettez les matelas, vous dormez. Tu te lèves le matin, tu travailles. Pendant que tu travailles, tu ne payes pas le loyer, non. L'argent de ça, je prends, je cotise. Quand ça atteint, je fonds de commerce et puis le loyer. Je loue un endroit, tu pars. Yay! Yay! Surprenez-les! Dans ma maison, ici, là, il y a les femmes, j'ai les employés femmes ici là jusqu'à. Chaque jour, ils viennent saliner. Quand tu arrives, je dis, dépose ton sac, tu ne peux pas travailler. Et c'est ça le business. Tu me produis de l'argent, ils te donnent l'argent. Parce que parfois, ils disent que là où tu es là, tu n'as pas de devant derrière, tu n'as pas le compte bancaire. Mm-hmm. Tu n'as pas d'Orange Money. Ou bien dans ton Orange Money, connaît que tu n'as rien dedans. Mais tu sais que. Il t'a isolé de là de tes soeurs, tes frères. Il sait que tu ne parles pas avec personne d'entre eux. Il sait que là où tu es là, tu n'as pas d'amis ou de collègues au boulot qui peut te donner même 100 000. D'accord, elle est immobilisée. Mais il oublie que tu regardes mes directs. Oh, les hommes, oh. Il oublie que quand il sort là en préparant, tu regardes mes directs. Tu as mis tes 5 ans là, tu as chargé les mégas. Hein? Mm-hmm. Oui. Je crois qu'elle veut lancer ce que je suis en train de dire là, elle veut lancer ça. Je ne veux pas mentir, en une semaine, j'ai un peu les femmes jusqu'à les femmes. Il y a les femmes ici dans plein. Même aujourd'hui, l'autre a encore commencé. Hier, l'autre a commencé. Ça fait 3 jours, l'autre a commencé. Toutes sont là, mes enfants, mes enfants.
que je fais ça pour mes enfants. Mes enfants. Parce que le but c'est de faire que tu deviennes folle. Tu marches en route, tu es comme une folle. Tu parles seule. Tu es comme ça là. Il dit que j'ai une là. Elle est ma secrétaire. Elle me dit que quand elle est partie, il a pris les enfants. Il est resté avec les enfants. Vous lui faites mal. Vous lui faites mal. Comme elle est là comme ça là, elle voit ses enfants. Donc de temps en temps, elle les voit un peu. Écoutez, mesdames, vous n'êtes pas seules. Je sais que quand on est ensemble, l'union, comment on dit, l'union fait la force. Parce que c'est qu'il y a les femmes qui veulent travailler. Qui veulent. Et je me suis retrouvée dans les situations. J'ai eu un problème une fois avec un de mes ex. On a la maison ensemble, mais comme c'est son appartement, j'avais libéré mon appartement pour aller vivre avec lui. On a des problèmes, il change les clés de l'appartement. Hop. Je rentre comme ça, je vois que c'est bloqué. Il dit, wonderful. Je suis resté. Et il savait que je n'avais pas d'argent. Parce que mon argent, il l'avait pris pour faire ses business avec. Donc il savait que là, je n'ai pas le devant derrière. Le soir, la mère de mes tatas m'a dit que viens dormir sur mon canapé. J'arrive là-bas le soir, elle m'ambiance d'abord. Elle m'ambiance. Vous avez besoin de ça. Parce que quand psychologiquement tu vas bien déjà, tu vois derrière ton futur. En 4 jours, j'ai trouvé, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai trouvé l'argent jusqu'à aller louer la chambre, l'appartement pour aller. Si je n'avais pas les femmes là dans ma vie, non. Non, je craquais. Je repartais encore le voir. Je dis, ouais, excuse-moi, pardonne-moi, ouais. Je vais faire ce que tu veux. Le problème, c'est que tu veux que je te suive, mais tu ne sais pas là où tu pars. Tu ne sais pas là où tu pars. Tu m'amènes où? Que moi-même, je pars où? Et beaucoup d'entre vous, les femmes, là, vous êtes des visionnaires. On te voit, ça, tu es une grande femme. Représentant de Turquie, d'ici début février, j'aurai quelqu'un en Turquie. Et je vais venir en Turquie aussi bientôt. Vous me comprenez? Je vais faire les réunions collectives. Venez les dimanches matin à 10h, je vous en prie. Si vous partez encore à l'église, finissez l'église, vous venez. Dimanche matin à 10h, je vais m'en sortir ouvrir les portes de l'endroit-ci. On va faire les réunions collectives. Je ne peux pas prendre une à une parce que je commence à avoir trop de personnes. Donc, considérez ça comme le service. Si c'est le service, appelez ça church service, appelez ça n'importe comment. On va s'asseoir, je vais prendre 2 heures tous les dimanches. On va parler. Et le truc, c'est que Dieu va te montrer ton futur. Quand tu oses lui parler de ça, non. Tu dis que tu veux la voiture. Ta voiture ne doit pas dépasser pour lui. Ton salaire ne doit pas dépasser pour lui. Mais s'il ne veut pas travailler, que toi, tu commences à travailler, ça donne. Vous comprenez? Devenez malin. Devenez sage. Je ne suis pas contre les hommes. Mais la femme peut prendre un objectif, elle l'amène à point. L'homme, parfois, il y a l'ego. Il y a ce gros dos là. C'est moi. Parfois, c'est ça qui tue l'homme. Et l'homme aussi, parfois, n'aime pas obéir les petites instructions. La femme, si on dit que prends un verre, tu verses là-bas. Viens chaque matin, tu te laves avec le sel. 2 pincées de sel, elle va faire. L'homme, il va faire. Après, il va dire, je suis fatigué. Ah, vous voyez un peu. Et c'est ça qui fait la force de la femme. Voilà. Je viendrai à Yaoundé, je vous dirai. Ok, vous passez une bonne journée. Je ne pouvais pas rater de vous dire l'autre aussi. Je ne pouvais pas rater. Partagez ça avec vos amis. Je sais que vous avez des amis que vous n'osez même pas leur dire. Il y a les femmes qui, tu ne peux même pas oser lui dire que quitte ton mari là. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas, mais tu connais qu'il y a trop dans la femme là. Elle a trop de chance, trop de potentiel. Dupont Somme. Je vais venir à Istanbul, je viendrai. Il faut qu'on se parle. Prends-moi un inbox alors, Dupont, quoi là-haut. Je ne sais pas s'il y avait des vivres chez toi. Quand il n'est pas là-bas, il prend les appartements. Les appartements à Istanbul sont moins chers. Il n'y a pas un appartement depuis une semaine. Là-bas, qu'il va recevoir les gens. Si il arrive à Istanbul, là-bas, les gens vont venir pleurer chez toi. Donc, si tu as une grande maison, là, c'est chaud.
Oh, le camé Stefano. Si seulement tu pouvais t'identifier quand tu parles. Ça, c'est de la lâcheté. Tu as compris? La lâcheté. Bon, bonne journée à vous. Maman, les consultations, consultations, consultations. Si tu veux être au Cameroun, venez. Après, page à 7h, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit jusqu'à voir ma photo sur le portail. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Vous avez compris, non? D'accord. Je vous bénis. Je déclare que les décisions que vous avez prises pendant que vous m'écoutiez, elles ne peuvent être brisées au nom de Jésus. Je viens de déposer la force en vous. Je réveille la femme forte qui se trouve en vous. Ou l'homme fort qui se trouve en vous au nom puissant de Jésus. Voilà. Je déclare que quand vous allez vous asseoir pour faire vos stratégies pour sortir de là, l'Esprit Saint va vous inspirer. Les anges vont vous donner, vont vous montrer la direction. Ils vont vous montrer le chemin par lequel vous devez passer. Et ce chemin va s'ouvrir comme la mer rouge au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous.